Zelda no Densetsu, Twilight Princess, Zenkai madewa. Oh, j'ai assez! Oh, Link! Le bouclier d'Ilia! Yes, baby! Elles s'occupent toutes les deux très bien de lui. Oh, c'est trop mignon! I don't think so. Allez, dégage! Et là! Bye! Non! Oh! Excuse-moi, chérie. Oh! Qu'est-ce que c'est? It's fucking dangerous! Oh, mon amour! Comment on peut résister à ce regard? Allez, c'est la bonne! Vas-y, chérie! Ça, bokeh on tsukemashou. Bon, je dois vous avouer quelque chose qui me coûte, mais voilà. En fait, je dois des excuses à Baba parce que j'ai toujours dit qu'elle ne servait strictement à rien. Et en fait, c'était avant. Mais ça, c'était avant, parce que je me suis rendu compte que à l'époque où je jouais, ben, je n'enregistrais pas, donc je terminais les donjons très vite, et je n'avais pas besoin de sa faculté avec son fils. Et là, comme j'enregistre pour partager l'expérience avec vous, ben, il faut que j'arrête au bout d'environ une bonne demi-heure de jeu. Et vous imaginez si à chaque fois je sauvegarde et que ça me met à l'extérieur du donjon et qu'il faut que je repasse toutes les salles que l'on a déjà faites, ça prendrait beaucoup de temps. Donc en fait, je... Voilà. Je suis désolée. Finalement, on va s'en servir. Elle ne sera pas si inutile. Oh. Ah tiens, vous revoilà. Bon, eh bien allons-y. Voilà, bref. Sur ces bonnes paroles. Mais vous êtes revenus, vous. Voilà, classe, chérie, bien. Ça suffit. Bref, du coup, on se servira plus de baba que prévu. Voilà, il va falloir de nombreuses fois que nous quittions les donjons quand je sauvegarde et que j'arrête l'épisode. Donc voilà, bref. Ben là maintenant je vais t'enlever, Baba, parce que en fait je n'ai plus besoin de toi pour le moment. Oh! Ok, oh, punaise de flûte de zut! Ah, oh, cette beauté! C'est pas grave. On a dit qu'il fallait arrêter de brûler Link parce qu'il est déjà assez hot comme ça. Bien. Ok. Ces bestioles là. Oh. Oh, ok. On peut aller par là-bas. T'inquiète pas, Link, j'ai vu, chérie. Ah, la télé.
D'accord. Elle s'est rapprochée plus vite. Oh, le coffre. Allons-y, amour. Ouh. Allez, go. Je vais t'amener. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est une clé. Excuse-moi, mon bébé s'est fait du bruit. Je m'étais dit si jamais c'est la carte ou quoi, mais la carte j'ai déjà eu donc. Dans l'eau, ça n'aurait pas été très logique. Bien. Il doit falloir passer par là, mais c'est fermé. Et je n'ai pas l'arc pour tuer les bébêtes là-bas, donc je suppose qu'on va l'avoir par ici. Tac, tac. Oh, c'est très accueillant tout ça. Allez, poussière. C'est bien, amour. Allez, go. Ok. Voyons, voyons. J'en avais parlé, je sais plus quand. Peut-être que je vais faire une FAQ prochainement, donc si jamais vous avez des questions à me poser, laissez-les dans les commentaires et je ferai une petite vidéo en vous montrant probablement ma collection The Legend of Zelda. Sinon, si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave, c'est très bien aussi. Je ferai probablement quand même une vidéo où je vous montrerai toute ma collection parce que j'ai pas mal d'objets. Je pense que je suis loin d'être celle qui en a le plus, mais je suis assez fière de ma collection, donc voilà, et il me semble que vous m'aviez déjà demandé il y a très longtemps de vous présenter ma collection de Legend of Zelda. Donc ce sera chose faite prochainement. Ceci est extrêmement dangereux. Ok. Heureusement que Link n'a peur de rien. Donc, un petit coffre. Continuons à gagner des sous, chérie. Nous ne sommes pas riches du tout. Ouais, bon, on va attendre parce que le temps que ça montre tout le bordel, bah. Voilà. Très bien, chérie. Dead. Alors, par contre, je vous aime pas beaucoup. Ok. C'est pour ouvrir la porte, donc ça on s'en fiche pour le moment. On va passer par là. Oh, peut-être que là ça va être là. Parce que sinon les autres en bas je peux pas les tuer. T'as pas des courbatures chérie, ça va? Tu viens de ce passage? Mon équipe. Oh. Prends mon cœur. Ah, on a un cœur de plus! C'est vrai? Ok. Oh, faut aller par là-bas. Apparemment, on peut pas les buter encore. Nope. Non. Ça ne marche pas. Eh ben, c'est parti, on commence. Allez, hop là! Coucou! D'abord, chérie, peut-être quelque chose d'intéressant ici. Un tout petit rubis. Ça ne vaut pas la peine de se suicider pour ça. Oh, chérie, chérie. Nice. Là, si tu veux, tu peux tomber. Mais tout doucement, chérie. Doucement, 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 doucement. Lâche. Tu es parfait. On va avoir un autre morceau de la clé là, non? Ah non! Alors comment vous dire? Je n'ai pas d'arc. Donc ceci va être particulièrement chiant.
cache derrière ces trucs-là. Ok, pour le moment, ils sont un peu trop loin. Donc il faut que j'aille à gauche. Il y a un coffre là-bas. Raté, 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 je vous dis. Ok. Est-ce que là c'est l'arc, s'il vous plaît? Non, toujours pas. Mais suis-je bête, l'arc on l'obtient pas comme ça pour faire un truc. Je ne fais que passer. On ne fait que passer. Au revoir, merci. Non, 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 non. Probablement un petit vieux qui va le donner à Link. Je vous avoue que je ne sais pas où je suis. Je ne me souviens pas de ça. Bon, j'aurais pu descendre là, mais à quoi ça sert? On aurait pu descendre, excuse-moi Link, j'ai tendance à oublier. Ok, bon. C'était juste ça, amour. Approche-toi un peu. T'es un magicien du changement de botte, en tout cas. Hop là. Là, c'est un papy. Oui, là, on va peut-être avoir l'arc. Tu es parvenu jusqu'ici sain et sauf. Je suis l'un des quatre doyens de la tribu des Gorons, Gorzieni. Puisque tu es venu me voir, tu dois être au courant. Tiens, prends ceci. Yes, un fragment de clé, c'est parfait. Ah, ta tenue, ça me fait penser à quelque chose. On raconte que le héros des temps anciens aurait laissé dans cette mine une de ses armes légendaires. C'est un objet de grande valeur que nous protégeons depuis maintes générations. Mais je pense qu'en ces sombres heures, elle peut nous être d'un grand secours. Nous conservons cette arme précieusement dans une pièce un peu plus loin. Va parler au gardien et prends-la. Ça doit être l'arc. Forcément. J'adore. Si je dis pas de bêtises, ça c'est la version originale de la musique des Gorons dans Ocarina of Time. Oh là là, il n'en faut vraiment pas plus pour me faire plaisir. La dernière fois c'était rouge. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Maybe not. What do you think, honey? Oh, good. On prend. Bien, bien. Chérie, chérie, chérie. Attends. Attends, 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 attends. Un jaune, c'est 10 rubis? C'est pas le rouge, normalement? Le vert, c'est 1. Le bleu, c'est 5. Le rouge, c'est 10. Le violet, c'est 50. L'argent, c'est 100. Le doré, c'est 300. Et le jaune, c'est... C'est pas... Ou rouge, c'est 20. Oh merde. Gigi, ne renverse pas ta gamelle, s'il te plaît. Ouh, j'ai un doute. Ça craint du boudin. Mais c'est pas grave, on me pardonne, n'est-ce pas? Je n'ai jamais prétendu être imbattable... Oh, un jour, ce serait rigolo, maintenant que j'y pense, que je pourrais peut-être faire ça avec... peut-être pas ma mère, parce qu'elle s'y connaît pas, mais genre, je pourrais demander à Captain Kaizo de me faire un quiz sur The Legend of Zelda et voir combien j'arrive à obtenir. Oh, ça pourrait être rigolo à faire, ça.
Surtout qu'on pourrait réussir à faire ça, parce qu'avec le couvre-feu, etc., on a beaucoup de mal à se voir. Mais par internet, en utilisant Discord ou quoi, on pourrait réussir à faire un truc comme ça. Oh, ça me tente bien, ça pourrait être rigolo, ça. Je proposerai à Captain Kaizo. On n'a pas eu l'occasion de faire de collab depuis un moment, là, et puis avec le boulot, je suis très très occupée. Ce qui fait qu'on devait essayer de faire Phasmophobia, parce que ça me tente beaucoup. Et en fait, j'ai pas du tout le temps de m'en occuper, là, avec le travail, et puis maintenant, tous les dimanches, j'aide ma mère, donc je m'occupe de cuisiner, et ça prend beaucoup de temps. Il faut vraiment que j'arrive à dégager du temps pour qu'on se fasse des parties de Phasmophobia. Et puis même au manga, ça aussi, ça me tenterait bien d'essayer. Et je pourrais faire participer ma filleule, parce que ma filleule, elle joue aussi. Donc il faut que je me bouge un peu le cul et que je me dégage du temps. Mais là, jusqu'au 17 janvier, j'ai peur que pour moi, ce soit très compliqué. Link, chérie, je ne vois pas ce que tu fais. Amour. Ok. Un petit coffre. Mais bon, on va essayer de se mettre ça en place. J'ai des idées aussi avec Sangoten, enfin... Ça doit être 20 rubis alors, les rouges. Hein. Pourquoi je pensais que c'était 10 rubis? Oh. Bon, je suppose que pour avoir... Évidemment. Pour avoir l'arc, je ne pouvais pas m'attendre à ce que ça se passe bien. Link. Je ne sais pas ce que c'est là-bas, mais j'aime pas beaucoup. T'inquiète pas, chérie, on va y aller. Je te demande amplement pardon si jamais tu tombes dans la lave. T'as pas besoin d'être plus bronzé que ça. Voyons, j'ai une fée. Et j'ai du lait. Bon. Quoi? Un humain? Qu'est-ce qu'un humain vient fabriquer ici? Je ne laisserai personne s'approcher, surtout pas ceux qui veulent voler notre trésor. Oh chérie! S'appelle, mais je me souviens. Aïe, tu es très fort pour un humain. Peut-être que tu veux aller voir notre chef. D'accord, va et prends l'arme du héros des temps anciens. En échange, je te demande de bien vouloir sauver notre chef. On va faire de notre mieux. Évidemment. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle votre chef. Est-ce que vous pourriez éclairer ma lanterne, monsieur le gentil Goron, avec une armure et qui a failli jeter Link dans la lave? Allez, au revoir! Bon. Quelqu'un de ta trempe devrait pouvoir faire quelque chose pour le sauver. Prends l'arme du héros et va porter secours à notre chef. Très bien, très bien. Nous y allons, nous y allons.
enfin l'arc, quoi. Une de mes armes préférées. Yes, baby! My love. Oh. Vous obtenez l'arc du héros. Ce trésor de la tribu Goron serait une relique laissée par le héros du temps jadis. Ah, ok. On a 30 flèches. Ah! Tiens, si nous testions. Oh yeah, baby! That's so nice. Non? Bon. Alors chérie, j'ai bien vu ça, ne t'en fais pas. Pourquoi? Ah, parce qu'elle est revenue. Wouhou! Celui qui en a qui allait se réveiller, mais peut-être pas. Ouais, ça doit être le rouge, hein. Franchement, je suis un peu nerveuse. Tu peux pas te coucher, toi? Non, bon, d'accord. Link, chérie. Ah, ok, tout va bien, amour. Je suis désolée, je savais qu'ils allaient se réveiller, mais j'ai pas anticipé correctement. Tout va bien. Oh my dear fucking god. I'm so sorry, honey. Would you please fucking stop? Tu te prends malin, toi? Dégage. Arrêtez d'attaquer Link. Bien, maintenant je dois pouvoir vous pousser. Yes. Enfin, vous tirez plutôt. Link, enlève ça, chérie. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Peut-être la boussole, non? Parce qu'on a toujours pas la boussole, je crois. Hein. Ah, voilà. On va pouvoir récupérer tous les trésors. Voyons un peu. Voyons. D'accord. D'accord, il nous manque des petits trésors. Là il y a une porte, je pense qu'on va y aller. Avant de prendre l'autre qui m'a l'air de nous mener de nouveau dans son coin sale. Il doit nous rester un morceau de clé. Parce que je crois que globalement on a tout. Eh ben voilà. Parce qu'on a tout observé, enfin on a tout exploré sinon chérie. Ah, enfin te voilà. Je savais que tu viendrais. Tiens, c'est le dernier morceau de clé. Combine-les. Yes, vous avez rassemblé les trois fragments de clé. La grande clé est de nouveau complète. Foncez à affronter le boss. Avec cette clé, tu ouvriras la porte qui retient notre chef enfermé. Il s'est transformé en une créature effroyable et sa force semble sans limite. Mais j'ai foi en ta force. Après tout, tu es parvenu jusqu'ici. Allez, hâte-toi! Est-ce qu'on peut faire de la méditation ensemble, monsieur? Link, il a vraiment besoin de méditer, de... Ah non, je peux pas utiliser les petits. Voilà, c'est bien ça, c'est 50... Non mais c'est moi qui suis pas bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je dors! Toi, t'es pas allumé, toi, là-bas. Ah!
Ok. Ce que je propose, c'est qu'on va essayer de récupérer les coffres qui nous manquent. Et on fera probablement le boss plutôt dans le prochain épisode, parce que le temps que je le batte, il y en aura pour un petit moment. Donc on va juste terminer le donjon correctement en prenant tout ce qui nous manque. Et on sauvegardera pile devant la porte du boss. De dire aller vite affronter le boss, s'il nous donnait le moyen d'y retourner plus facilement. Vous êtes tous venus loin, dites-moi. Si vous pensiez qu'on ne vous avait pas vu, eh ben vous mettiez le doigt dans l'œil jusqu'au petit coude. Link et moi, on est plutôt doués avec un arc. Non, moi d'abord. Il s'est passé quoi, là? Ah putain, il y avait sûrement des bombes. Ou des explosifs.
Vous savez, les gars, faudrait apprendre à viser. Bonne. Bien, alors du coup, où est-ce qu'on va, chérie? Il y a deux coffres par là-haut qu'on a raté, amour de ma vie. Comment on y va, love? Ah bah oui, il est en bas là, je vois. Alors attendez. Comment on y va? Ok, cool. Ah, il nous le fallait celui-là. Un tampon du caractère irulien H. Sors, chérie. Ok, et il nous en reste un qui, à mon avis, doit être également dans l'eau. Vas-y. On a dû rater quelque chose. T'inquiète pas, on va trouver. Mets-toi, ça doit être certainement bien. Il faut bouger. J'ai plus beaucoup de flèches par contre. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Chérie, je l'ai vu. Don't you worry. Bon, j'allais dire j'ai des yeux partout, mais en fait, ça dépend. Voilà. Adieu. Parfait. Alors, toi, tu dois bouger. Ok. Il y avait rien par là-bas. C'est par là que je suis arrivée. Je vais éternuer, chérie. Ah, excuse-moi, amour. Et il va nous transporter. Nice. Oui, bah, on l'avait vu, hein, on n'est pas bête. Bon, merci grandement pour votre... Comme ça. Yes, on va pouvoir récupérer le dernier coffre. J'espère que t'es prêt, chérie. Et on lâche. Ok, alors, le coffre. Il était par là-bas, normalement. Faudra revenir avec le grappin parce qu'il est là-haut, c'est sûr et certain, mais pour y aller là, à part le grappin, je crois que le dieu chéri, mon dieu, je crois que sans le grappin on pourra pas y aller, donc tant pis, ce sera pour une prochaine fois les amis. Non, il est parti sans lui. Il faudra pas oublier de revenir. Vous me le rappellerez si jamais j'oublie. Je sais plus quand est-ce qu'on obtient le grappin. Très tard, non? C'est pas dans la cité du ciel? Ouais. Non, c'est pas grave, chérie. Laissons tomber ce coffre pour aujourd'hui. Où sommes-nous, amour? À
même capté que on aurait pu avancer un peu. Dégage. Olé. Vite plié. Allez, dégage. Stop. Mais vous avez cru quoi, là, sérieusement? Qu'il suffisait juste d'une embuscade pour avoir Link? Pff, amateur.